Christian, après m'avoir montré une sélection de tes peintures depuis ta décision de devenir peintre, vous pouvez en trois œuvres nous faire comprendre votre parcours. Eh ben c'est simple. Ça, c'est une peinture de l'âge de 17 ans. Et j'ai beaucoup travaillé tout ce qui est bouquet, les fleurs, les branchages, tout ça. Et après ce... Bon, encore très inspiré de Van Gogh, je ne peux pas le cacher. J'ai continué à travailler sur les végétaux. Et je suis tombé sur la fleur d'iris. Et la fleur d'iris, ça a été vraiment la décision de passer, de rechercher les structures de tous les végétaux, que ce soit une feuille, une fleur. Et j'ai mis donc sur une toile une fleur avec les feuilles, la coupe du bouton, le bouton en élévation, et tout ça dans un style plus une synthèse. Voilà. Et j'ai pas mis. La peinture se fait sur deux plans. Il n'y a pas de perspective dedans. Voilà. Après cette décision, donc là j'avais 17 ans et demi. Presque 18 ans d'ailleurs. Une de mes dernières. Alors là, c'est une gouache que j'ai travaillé beaucoup. Avec des fluides, c'est-à-dire je coulais des couleurs liquides, très liquides, et selon le papier qui se gondolait, en séchant, ça faisait des zones, comme on peut voir dans la nature, quand il y a un cours d'eau qui passe et qui s'assèche. Et voilà, ça c'est des zones asséchées, et les bleus foncés sont des zones très humide. Voilà, j'en suis là pour le moment. Merci beaucoup, Christian.